Bonjour à YouTube. Oh, regardez ce qui nous arrive. On est tellement content que ça arrive. Alors attendez, on va peut-être essayer d'arnaquer quelque chose au jeu là. Dites-moi que ça va cramer quand même. Ah non? Ah merde, j'ai gaspillé une flèche pour rien alors. Logiquement, il y a un coffre là-dessous, on est d'accord. Mais comme il pleut, je l'ai dans le cul. Le retour va être sympa. On va se TP, je crois. Ah! Ah! Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, on est content. On aime. J'attends juste, en fait, qu'il pleuve pas. Fais une attaque circulaire au-dessus. Ça marche? Sérieux? Ah, c'est un Korogu. C'est juste un Korogu. Et Patrick, tu vas l'abandonner? Non mais Patrick, on va... Regardez, on va se TP. Alors, où est-ce qu'il y avait un coffre? Il n'y a pas de coffre du coup. On va se TP un relais et on fera revenir Patrick. Vous inquiétez pas. Mais il n'y a pas de coffre hein, du coup, on est d'accord. Bon bah du coup on est venu avec Patrick mais allez, on attend ici en tailleur gentiment, dans notre trou. Voilà. Patrick reviens. Viens avec nous profiter du spectacle. Ah, le coffre était dans le temple, très bien. Et là, Patrick nous attaque. Link. Link. Bon alors, et vu que la nuit tous les chats sont gris et que visiblement ces nuits de pleine lune les gens sont hostiles, j'ai pris la solennelle décision d'abandonner Patrick. Vous inquiétez pas, on retrouvera Patrick très prochainement. Allez, Patrick, c'est toute une aventure. On l'attente. On l'attente, toi et moi, mon ami. On l'attente, mon ami. Allez, je crois en toi, Patrick. Le retour sera une promenade de santé. File comme le vent. Non, pas dans l'eau. Par contre. Tu n'as peur de rien. Tu files comme le vent. Tu es Patrick. Les ennemis ne te rattraperont jamais. La nouvelle coiffure. C'est la nouvelle coiffure qui crée l'aérodynamisme. Qu'est-ce qui me vole au-dessus, là? Regardez, c'est quoi cette ombre de mort? Un truc qui m'a volé au-dessus là. Allez Patrick, ce ne sont que des archers nuls. Allez Patrick. Et c'est Patrick. Oui, c'est vrai qu'eux aussi ils ont respawn. Génial. Dormez bien. Patrick. Patrick, MVP. Vous voyez, on a eu raison de l'emmener avec nous jusqu'au bout du gland. Patrick.
nous a porté. Non, ce n'est pas un poney. Ah oui, pour faire MVP. Most Value Pony. Exactement. Alors là, par contre, je suis entièrement d'accord. Patrick, MVP. Oh, attendez, il y a un autre Korogu. C'est rigolo, ça. Attendez, on va laisser Patrick un petit peu, quelques secondes. Pénard. File comme l'éclair. On aurait pu tout faire avec Patou. Hein. Pour retourner exactement à l'endroit où on était hein, quand même. Je crois que c'est un peu violent. Voilà, je ne reviendrai jamais. Non mais on est d'accord que le jour il se lève, c'est à 5h du matin. Voilà, nickel. En plus, Patou est en bas, donc tout va bien. Yes, ça ramasse une fée, ça c'est bon ça. Non, oui. Eh merde. Arc du soldat c'est moins bien, mais... Par contre, il y avait pas un oiseau qui volait à côté? Non, c'est bon, oui, ils ont disparu. Vous voyez? Bon alors, à la base c'était pour un Korogu. Alors, par contre, on est d'accord qu'il nous ramène pas au même endroit lui. Hein. Hors de question que tu m'amènes. J'ai eu peur, je croyais qu'il allait faire le tour. Ouais, il y avait un truc là. Oui, ah, merci. Non, mais je l'ai terminé. Ouais, merci. Quand même. Pas tout. Ah, je voulais pas spécialement tirer cette flèche. 23 flèches. Il y a un moment, ça va commencer à se voir et ça va poser problème. Ah, c'est... C'est vraiment, c'est la nouvelle crinière de Patou hein, qui a tout fait. Alors, je sais pas ce qu'apportent les selles, mais... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait l'innocent? Moi, je suivais l'oiseau, mais toi, suis la route. C'est... Voilà, ça incite à prendre les chevaux qui ont un peu plus de clap. Ah, en direction du coup le temple rêvé avec Patrick maintenant qu'il nous a carry. Comme la moto ou le vélo, le cheval va là où ton regard te porte, exactement. Par contre, on est d'accord qu'il n'y a pas je maintiens enfoncé et il fait le trajet tout seul. D'ailleurs, faut que j'arrête de maintenir le joystick vers l'avant, puisque
Il le fait quoi qu'il arrive. Ah, ce petit chemin qui sent la noisette. Tu as quel âge? J'ai 33. Putain, il m'a fallu du temps pour réfléchir. Ce petit chemin qui sent la noisette. La corogu. Corogu. Ah, combat par contre. Ah ouais, mais combat. Voilà, combat. Voilà, bon, ça c'était voyant, pardon. Elle était un peu. Oh la sous-merde! Merci pour les bananes! Ou alors c'est peut-être mon arme qui est puissante, mais... Ça, je crois que... Ok, on l'a déjà. Oh, je m'attendais à mieux! Ah, il m'a déçu, Batman! Remag! Je fais plus jeune, genre 11. Je le prends pas mal, vous inquiétez pas. Regarde ses cheveux, exactement. Ou regarde plutôt l'absence de cheveux. Et paf! On l'a presque directement garé, Patrick. D'accord, l'écho... Bah oui, il mange. Hey! La brioche, ouais. Mmh. Ah, j'en veux une. Pourquoi j'ai l'impression que c'est une arnaque? Mais il m'a arnaqué de 10 balles? Bâtard! Il m'a arnaqué de 10 balles! L'antre des monstres est tout. Et toutes les nuits, il se promène en tirant sa charrette. Connais pas. D'accord. Bonjour. Notamment, c'est full vie plus 5 heures jaune, c'est ça. Qui es-tu? L'asto. Parle-moi du coin. Ah! La source de force, fontaine sacrée, à l'ouest de ce relais. Présente une offrande sacrée. Au nord d'ici, il y a une maison qui ressemble à un phare. Ok. Ça ne va pas. C'était de regarder la flamme bleue de cette lanterne.
Le chef du laboratoire doit, selon lui, allumer la... elle est où la flamme bleue? Ok. Alors on va aller voir le chien aussi. Par contre on est d'accord qu'il faut pas agresser les moutons. Hein. Depuis le début je le fais pas. Je fais un peu le tour. Bon lui c'est toujours les peintures. Pleine nord, à l'ouest. Ok, à l'ouest. D'accord. Bon alors. Voilà, pas ça. Occupez-nous du chien. Pas divine. Et je peux lui donner les trois d'un coup? Ça va, dis-moi si je t'emmerde. Tiens, je lui pose la viande sur la gueule. Dis-moi hein, surtout si je t'emmerde. Comme ça, ça évite de chercher où est le coffre. Et là, le chien nous emmène dans un traquenard. Ah bon. Je crois que j'aurais pu trouver, mais bon. Allez, en vrai, ça vaut le coup. En vrai, ça vaut le coup. C'est lui qui le déterre, tu peux pas le trouver sinon. Ah, d'accord. Bon, au moins, c'est bien. C'est un élément. Ok, des étoiles filantes. Du blé, de la viande, du sel. Du blé, de la viande, du sel. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire ici. Donc il faut prendre une photo de du marchand. Tiens, bonjour monsieur. Sympa ça. Attendez, parce que ça, ça avait l'air sympa comme recette. Ah oui, ah oui, donc de full enduro, d'accord. Sympathique comme recette, mais full enduro. Allez, on va au sanctuaire. Achète-lui des flèches. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais j'ai pas de thune. Non. Non. Non, Terry, non, Terry, non. C'est bon, il y avait un point d'interrogation. Ah non, c'était Terry. Non, mais j'ai, voilà. Mon argent doit être dirigé à de meilleures fins, à savoir me rendre riche. Eh ben du coup, YouTube. Un sanctuaire égale une vidéo. Au revoir.